Bien, mesdames et messieurs, nous sommes dans le rond de présentation et avec nous, nous avons M. Marc Lagesse de Quantum, qui est notre principal sponsor de cette saison 2016. Alors, M. Lagesse, est-ce que vous pourriez nous dire, ça fait 6 mois que Quantum est sur le marché et comment ça se porte maintenant? Ben, merci d'abord de l'accueil, comme toujours super. On est toute l'équipe de Quantum ici. Et je dois vous remercier encore une fois, le Turf Club et Quantum. On est vraiment contents de cette association. Ça marche super bien. Ça a dépassé toutes nos attentes. Ça fait 6 mois qu'on est lancé. Ce qui est particulièrement bien, c'est que le modèle direct a l'air vraiment de marcher. Les gens, on accueille des gens tous les jours à Eben chez nous, dans nos bureaux. Le téléphone n'arrête pas de sonner. L'Internet n'arrête pas de s'allumer. Donc vraiment, on est vraiment contents. Est-ce que vous vous attendiez à ce response du public mauricien? Ben vous savez, on a vraiment essayé de challenge le modèle de l'assurance. Jusqu'à présent, l'assurance s'est toujours vendue vraiment à travers des agents, des courtiers. Il y a des grosses compagnies d'assurance, elles sont vraiment, et je dois dire que elles sont solides, elles sont bien. Je connais bien les gens qui sont à la tête, ce sont des gens vraiment sérieux. Mais la compétition, c'est bon. La compétition, ça renouvelle, ça donne toujours un quelque chose. Et en fait, pour nous, c'est donner un choix aux clients. Le modèle, il n'a pas vraiment beaucoup changé depuis quand même 20 ans. Quantum est là depuis 6 mois, mais ce qui est encourageant, c'est que j'ai l'impression que le modèle plaît aux clients, au peuple, aux gens qui achètent leur assurance voiture, assurance maison, voyage, etc. Donc on est vraiment, on est sur une bonne, on monte dans les ratings, comme on dit. C'est très bien d'employer un terme technique. Vous avez introduit la vignette électronique. Est-ce qu'il y a d'autres innovations que Quantum compte introduire? Certainement. Vous savez, avec le logiciel qu'on a mis en place, qui nous a demandé quand même beaucoup d'investissement, c'est un logiciel hyper puissant et qui va nous permettre d'amener beaucoup d'améliorations dans le temps. Il y a déjà 2 ou 3 idées qu'on est en train de travailler dessus. Évidemment, par exemple, pour la vignette électronique avec le barcode, on a travaillé beaucoup avec les autorités. Ils ont été vraiment très, 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 très ouverts à l'idée. Et il y a pas mal d'idées comme ça qu'on essaye d'étudier avec eux. Et j'espère pouvoir lancer quelques nouveautés dans les mois à venir. Alors, nous allons parler maintenant de l'association avec le Motion Turf Club. Comment ça se passe? Vraiment bien. Vraiment bien. On a eu beaucoup de visibilité d'abord. Les gens, on est aux courses, les gens voient nos panneaux sur les stalls tous les samedis quand il n'y a pas de sponsor pour la journée. C'est beaucoup de visibilité. Les gens sont intéressés, ils nous posent beaucoup de questions, pourquoi, etc. Mais je réponds toujours la même chose, c'est une industrie extraordinaire, je suis presque né dedans. C'est une passion de tous les Mauriciens, tout le monde confondu. Et je trouve que nous, on a une couverture extraordinaire, on a une visibilité extraordinaire et on est emballé vraiment du deal. Donc vous sponsorisez tous les championnats, mais sur la liste des prix que j'ai vus, vous faites la part belle au palefrenier. Et pourquoi? Ben, vous savez, je viens souvent à l'entraînement. Je vais souvent à Floréal voir les chevaux de Ricky travailler. Ceux qui sont toujours là, matin, midi, soir, ils sont là à 4 heures du matin, ce sont les palefreniers. Ce sont vraiment des gens sans eux, enfin évidemment sans beaucoup de personnes, il n'y aurait pas de course. Mais sans l'amour que ces palefreniers-là ont pour les chevaux sous leur charge, il n'y aurait pas de course. Les chevaux ne seront pas bien toilettés, ils ne seraient pas bien en forme. Donc vraiment, on tenait à reconnaître le travail qu'ils font et dire merci. On pensait que c'était la meilleure façon. Mais vous faites aussi, disons-le, un clin d'œil aux jockeys et aux apprentis mauriciens avec le Quantum Series. Ben justement, parce que toujours pareil, les même idée vraiment, c'est que les track riders, les amateurs,
les jockeys qui essayent de se développer, ils méritent le soutien, finalement. C'est pas toujours facile, ils n'ont pas tellement de monde. Donc, avec le Quantum Race Series, on s'est dit, allons vraiment donner un piment à ce championnat. Effectivement, donc, il y aura un prix pour le gagnant. Et ça me fait plaisir parce qu'il y a cinq jockeys à deux points l'un de l'autre. Donc, c'est bien. Il y a de la bonne compétition. Ouais. En tout cas, Marc, merci beaucoup de nous avoir sponsorisé pour l'année 2016. J'espère que cela va bien se passer jusqu'à la fin de la saison et que nous aurons un bon championnat, tant pour les Mauriciens que pour les étrangers et pour les écuries également. Absolument, on l'espère aussi. Merci, Sean. Merci Marc, encore une fois, et nous allons continuer l'analyse de la cinquième course.